On va maintenant partir au cœur de nos forêts avec le seul conifère qui perd ses aiguilles au moment de l'automne. Le mélèze fait la fierté des Alpes du Sud et avant de se déshabiller totalement, il offre un formidable spectacle passant du vert au jaune-orangé flamboyant. Reportage Anouchka Flieller et Didier Laborde. Oh purée, ils sont à Hawaï, ils sont trop beaux. Particulièrement beaux. Pour s'émerveiller devant les aiguilles dorées. C'est vraiment extra. Ces cyclistes viennent tous les ans à l'automne dans cette forêt de mélèzes. Cette flamboyance, et puis là en même temps, les mélèzes, les couleurs et la neige, c'est... Ouais, c'est... Il y a des formes assez uniques, et donc c'est assez poétique. Et puis le fait de rouler dans ce tapis d'aiguilles, c'est sympa, ça fait un petit crissement sous les pneus. À 1700 mètres d'altitude, les rares promeneurs profitent aujourd'hui du calme et des jeux de lumière. On se sent dépaysé, ça fait du bien, et on dirait un petit peu le Canada. C'est assez apaisant. Et c'est pas des épines dures, donc ça, vous pouvez le caresser, c'est très doux. Ouais. Les aiguilles jaunissent puis tombent pour permettre aux mélèzes de résister aux chutes de neige. Un arbre de haute montagne que cet enfant du pays observe de plus en plus haut. Plus ça va, plus on le retrouve haut en altitude. Normalement, la limite, c'est aux alentours de 2002. Maintenant, il n'est pas rare d'en trouver à 2400 mètres d'altitude. Réchauffement climatique ou pas, je ne suis pas expert pour vous le dire, mais on y pense. Plus bas, dans la vallée, cette scierie découpe des planches et du bois de chauffage. Alors ça, c'est tout du mélèze. Ils viennent du puits, donc la montagne qui est dessus. Il y a aussi du bois qui vient d'Alos. Voilà, donc ça fait le circuit court, local. De la forêt au chalet, il n'y a qu'une centaine de mètres. Là, on est en train de retaper une toiture et on utilise du mélèze de pays. Résistante aux intempéries et aux insectes, le bois de mélèze est utilisé dans toutes les constructions traditionnelles, mais aussi plus contemporaines. Ça permet de personnaliser le projet plus facilement qu'avec un bois classique. Chaque planche a son histoire et des fois on voit des visages, des voix. Ça, c'est vraiment spécifique à ce bois. Le flamboyant des Alpes est un bon isolant thermique. Il devrait perdre ses aiguilles dans quelques semaines à peine.